Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cookies à base de beurre de cacahuète. Alors, voici les ingrédients nécessaires pour cette recette. 150 g de sucre, 150 g de farine, 50 g de beurre mou, 60 g de beurre de cacahuète, un œuf, un sachet de levure chimique et 80 g de pépites de chocolat. Pour commencer cette recette, vous allez insérer tout d'abord le couteau pour pétrir concassé dans la cuve, puis vous allez ajouter 150 g de farine, 150 g de sucre et votre sachet entier de levure chimique. Ajoutez ensuite un œuf entier, 50 g de beurre mou ou semi-liquide. Le mien a été réchauffé quelques secondes au micro-ondes car il sortait tout juste du réfrigérateur et qu'il était vraiment trop dur. Mais si vous le laissez à température ambiante, ce sera très bien également. 60 g de beurre de cacahuète. Pour ma part, j'ai utilisé du beurre de cacahuète bio qui n'est pas sucré. Lancez ensuite votre robot en vitesse 6 pour une minute afin d'obtenir une pâte relativement consistante. Il ne vous restera plus qu'à ajouter vos 80 g de pépites de chocolat et à relancer votre robot en vitesse 4 pour une minute. Façonnez maintenant de petites boules avec la pâte obtenue. Espacez-les bien sur une plaque de cuisson et aplatissez chacune de vos petites boules un tout petit peu avec le dos d'une cuillère. Il ne vous restera plus qu'à enfourner vos cookies à 160 degrés pour environ 20 minutes dans un four à chaleur tournante. Attendez qu'ils refroidissent avant de les déguster. Ils sont vraiment délicieux et ils sentent divinement bon. Je vous invite à tester cette recette si vous ne la connaissez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons.